le 12 mars 1941. Bien chers parents, attendant encore et toujours de vos nouvelles, je vous envoie de nouveau des miennes. Je ne sais pas si vous avez reçu ma dernière lettre et ma carte précédente. Je viens de recevoir une lettre de Bruxelles datant du 15 décembre et des cartes de Berthe et de Jeanne pour le nouvel an. Remercier ces deux voisines pour leurs attentions, cela fait tellement plaisir. Hier soir, en feuilletant mon manuel Soldat du Christ, cadeau d'un prêtre français, j'ai été surpris en me voyant déjà si près du 19 mars. Aussitôt, ma pensée a abandonné le temps. Les baraques, les barbelés, pour s'envoler vers vous, papa, et vous porter les souhaits d'une bonne et sainte fête. Oui, à ce moment, j'ai revu papa, les deux mains derrière le dos et se promenant à travers sa campagne. Il ne disait rien, comme souvent d'ailleurs, mais pour qui aurait pu sonder ses pensées, c'était à la Belgique et à ses deux fils prisonniers qu'il réfléchissait et comme eux sans doute, il se disait que tout était loin d'être fini et que celui qui de là-haut surveillait la démarche des événements attendait patiemment le moment pour montrer à tous les hommes qu'il était un peu là pour ne pas être oublié. Sans doute mes lettres arriveront encore après la date, mais pourtant les pensées et les prières étaient à temps. Pour vous, papa, pour ma sœur Joséphine et pour mon frère Joseph, je ne sais toujours rien de plus me concernant que ce que je vous ai écrit dans ma dernière lettre. Quelles sont les nouvelles du village et à la maison? Comment se passe la vie? Jojo, que fait-il? Commence-t-il déjà à prendre le piano? S'il y avait moyen, il serait temps qu'il débute. J'attends toujours des cigarettes, et si vous ne les avez pas encore envoyées, veuillez mettre avec une ou deux paires de chaussettes, des aiguilles à bas, un peu de laine à repiser et un peu de savon. Je vous quitte en vous embrassant tous bien fort et en particulier ceux dont c'est la fête, vive Saint-Joseph. Mille bons baisers pour maman, Jojo et mes frères, et mes sœurs, sans oublier ma reine et tante, et les meilleurs bonjours à toutes les connaissances. Pour Dieu, le roi et la patrie, votre fils Jean. Veuillez vous asseoir. Chère famille, Monseigneur l'évêque, distingués invités en vos titres, qualités et grades, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs en Christ, en tant que curé de l'unité pastorale La Somme entre l'homme et l'homme, j'ai l'honneur de vous accueillir dans cette église Saint-Jacques de Vendre à l'occasion de la messe des commémorations du 75e anniversaire du massacre de Vendre perpétré le 24 décembre 1944. On dénombre à Vendre 34 victimes, dont les noms méritent d'être cités solennellement dans ces lieux de prière, de sérénité et de paix. Bourgeois André, Daco Donia, Descartes Champs,
Duchesne Joseph, Duchesne Octave, Gilles Fermont, Gilles Georges, gouverneur André, Issa Florent, Issa Victor, Hardy Roger, Anquinet Joseph, Lambert Gaston, Lambert Hermon, Lambert Lucien, La Sense André, La Sense Fernand, Le Bois Alphonse, Majolaine Fernand, Maître Jean Edmond, Malampré Georges, Malampré Raymond, Marshal Albert, Marie Richard, Matagne Rémy, Michel Armand, Muller Clément, Noël Jules, Parmentier Joseph, Pétron Louis, Ponsin Joseph, Schmitt Paul, Tournai Xavier, Evolver Albert. Le massacre a été planifié. L'exécution des victimes a lieu le 24 décembre et le crime a été dissimulé. 3 semaines d'attente insoutenable. Où sont-ils passés? Que deviennent-ils? Sont-ils toujours vivants? Le 11 janvier 1945, les corps des victimes sont découverts. C'est l'horreur absolue. Quelle barbarie! Depuis lors, des familles sont meurtries, déchirées, inconsolables, à jamais. Parmi les victimes, on compte des personnes dépendantes, des rois, une vingtaine de réfugiés fuyant les combats d'Athènes et des étudiants du petit séminaire de Pasteur. Nous prions aujourd'hui pour et avec vous, chères familles des victimes. Et ensemble, nous pensons à ces êtres chers qui ont été brutalement et lâchement arrachés à votre affection. Faire mémoire, un devoir sacré, mais aussi un devoir à transmettre aux jeunes générations. Car aujourd'hui encore, la paix dans notre monde ne tient qu'à un fil. Prions donc aujourd'hui pour la paix dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous à cette cérémonie présidée par notre évêque Pierre Bouard. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avec respect et grande cordialité, je salue Monsieur le ministre Collin, Monsieur le gouverneur, Monsieur le bourgmestre, les autres autorités civiles, le général et les autres autorités militaires, les vétérans, les familles des victimes, les associations patriotiques, les porte-drapeaux, le comité de mémoire de Bande, Monsieur le doyen de Marche, les abbés Willy et Clément, chacun et chacune. Et je vous dis à tous, au nom du Seigneur, la paix soit avec vous. I should like to welcome and to greet very warmly the civil and the military authorities, the World War veterans, the patriotic associations, and each of you. And I say to all of you, in the name of the Lord, peace be with you. Au début de cette célébration,
Réconcilions-nous avec le Seigneur. Prenons la main qu'il nous tend inlassablement. Réconcilions-nous aussi avec nos frères, faisant taire en nous rancunes et rancœurs. Réconcilions-nous aussi avec nous-mêmes, faisant la paix avec nos limites et nos pauvretés. Prépare-nous à cette célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Thank you.
selon saint Matthieu. Le texte que nous allons entendre ce dimanche est celui du quatrième dimanche du temps de l'Avent, qui nous fait une promesse, il vient Dieu avec nous. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse. Accueillons cette parole de Dieu. Chaque année, nous nous souvenons.
7 ans 50 plus tard, le devoir de mémoire ne fait pas. Chers amis, permettez-moi d'évoquer un fait de la guerre 14-18 qui indique un chemin, nourrit une espérance, ouvre un avenir. Cela s'est passé une veille de Noël sur le front atroce des tranchées. Un témoin raconte, nous espérions en ce 25 novembre, en ce 25 décembre, une journée plus calme, sans trop y compter. On nous avait mis en garde contre la possibilité d'une attaque allemande visant à nous prendre par surprise. Le 24 au soir, je suis allé à l'abri pour me reposer et couché sur mon paletot, je me suis endormi. Mon ami John m'a réveillé en me secouant. Viens voir ce que les Allemands sont en train de faire. J'ai pris mon fusil et passé avec précaution ma tête par-dessus les sacs de sable et j'ai vu des tas de petites lumières qui brillaient tout au long de la ligne allemande. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. John m'a répondu, des sapins de Noël. Oui, c'était des sapins de Noël que les Allemands avaient disposés devant les tranchées avec des lanternes et des bougies. Puis nous avons entendu des voix qui chantaient Stille Nacht, Heilige Nacht, Douce Nuit, Sainte Nuit. Une fois le chant terminé, les hommes de nos tranchées ont applaudi. Oui, des soldats britanniques ont applaudi des Allemands. Puis, un des nôtres s'est mis à chanter en anglais, bien sûr. À vrai dire, nous n'étions pas aussi performants que les Allemands, mais ils ont répondu en applaudissant avec enthousiasme. Ils ont entonné un autre chant au Tannenbaum, au Tannenbaum, où mon sapin croit des fourmis. Nous avons répondu en chantant « Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fait sur terre, le Christ est né. » Cette fois, leurs voix se sont joints aux nôtres et tous en latin nous avons chanté « Adeste fidèles » des Britanniques et des Allemands qui chantent à l'unisson. Un officier allemand a crié « Anglais, venez ici, vous ne tirez pas, nous ne tirerons pas non plus. » En quelques minutes, des centaines de soldats et d'officiers de chaque côté se serraient la main dans le No Man's Land alors qu'ils avaient essayé de se tuer quelques heures auparavant. 22 décembre 2019. Que pouvons-nous faire pour la paix? Pouvons-nous seulement faire quelque chose quand des extrémistes sèment violence et désolation, quand de par le monde des peuples s'entre-déchirent et quand la haine l'emporte sur la paix? Je suis persuadé que nous pouvons faire quelque chose. Je m'explique en vous proposant un petit conte. Un jour, la colombe, symbole de paix, dit à la mésange, « As-tu déjà estimé le poids d'un flocon de neige ?»« C'est moins que rien, » répondit la mésange. Et la colombe poursuit, « Il était une fois un sapin. Sur une de ses branches était déjà tombé un million de flocons de neige. » Et rien ne s'était passé. Lorsque tomba,
Cette fois, la branche cassa. Et la colombe, de conclure, notre rapport à la paix peut paraître un petit rien, mais il suffit de l'apport supplémentaire d'un homme pour faire basculer le monde dans la paix au lieu de dans la guerre. Un petit mot encore, la fête de Noël est toute proche. Accueillons le grand mystère. Le Dieu des grands espaces et des larges horizons se dit tout entier dans un petit enfant démuni, vulnérable. Il arrive qu'on me demande pourquoi je crois. Je réponds invariablement parce que c'est beau. Je crois en raison de la beauté de la foi, en raison de la beauté ineffable de l'Évangile. Pour visiter la terre, Dieu n'a pas choisi de descendre en grand pont à bord d'un hélicoptère blanc ou par un grand escalier de marbre blanc. Non, il a pris la vie du mendiant, du pauvre qu'on peut repousser. N'est-il pas symptomatique que les parents du petit qui avaient cherché à ce qu'il soit reçu ne trouvèrent cette nuit-là que des portes closes, pas de place pour lui dans la salle d'eau. Voyez son berceau, une mangeoire d'animaux. Et voyez son matin, dans son amour de feu, Dieu s'est mis sur la paille. Que c'est beau, un Dieu qui vient comme un miséreux, au creux de l'hiver, au plus fort de la nuit, alors que la ténèbre est plus ténèbre, pour habiter les misères, toutes les misères, les morsures d'un monde trop froid et les nuits parfois d'ombre. Que c'est beau un Dieu qui entre dans la nuit des hommes et convertit la nuit épaisse en une douce nuit. Que c'est beau un Dieu qui prend pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Que c'est beau un Dieu qui pleure notre mal comme une mère. Que c'est beau un Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme. Que c'est beau un Dieu qui en Jésus vient tout sauver. Que c'est beau un Dieu qui nous ouvre sa joie et son royaume. Et à la croix
prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de notre Église. Que ton Esprit, Seigneur, notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cette terre par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. La coupe
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi.
laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un geste de paix, d'amitié et d'affection.
notre prière, nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jamais le monde ne vive semblable qu'une Noël, courir par des armes, loin de ses enfants, de son épouse et de sa mère, il n'y a pas une grande cruauté. Ravir un fils à sa mère, un mari à son épouse, un père à ses enfants, est-ce digne d'un être humain? La vie ne peut être donnée et acceptée que pour s'aimer et se respecter. C'est Erwin, du sang et de la mort, que naîtra sans doute la fraternité universelle. Militaires et policières ici présentes. Je laisse la primeur
notre commandant à l'est des cités et d'un monde tout à l'heure. Merci aux militaires qui sont nous ont beaucoup aidé pour l'exposition. Merci aux associations de mouvement patriotique. Vous êtes si nombreux pour honorer ces devoirs de mémoire. Merci à la commune de la Sorgue, bien sûr. Elle nous soutient beaucoup, beaucoup. Merci à la chorale Camille Jacquemin pour les chants. Merci aux écoles. Et merci pour les intentions des prières. Merci au comité de mémoire pour son dynamisme et le magnifique travail réalisé pour cette cérémonie. Merci aussi à tous les anonymes, à toute la communauté locale et paroissiale. Merci aux services techniques. Merci à chacune et à chacun de vous. Maintenant, le dernier mot à mon Seigneur et la bénédiction passe par lui aussi. On l'appelle aussi le prince de la paix. Que la paix du Christ habite vos familles et aussi le monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
ça devait être bien, tu vois. Je sais pas du tout, c'est un peu de voilà, je vais vous donner le déroulement de la cérémonie ici, comme ça tout le monde sera au courant de ce qui va se passer. On va d'abord avoir un moment de recueillement où j'inviterai notre représentant anglais avec sa gentille cornemuse de nous interpréter le chant des partisans. Si il m'a bien compris. En second lieu, nous déposerons les gerbes, il y en a trois. Ah, ben voilà. Pourquoi la cornemuse? Pourquoi les Anglais? Parce que, évidemment, c'est le 9e bataillon para qui nous a sauvés et qui nous a délivrés. C'est pour ça que nous attachons beaucoup d'importance à notre lien avec les Anglais. Donc, dépôt des fleurs, ensuite, au chant, appel aux morts. Après cela, j'inviterai M. le bourgmestre à dire quelques mots. Et ensuite, on visitera la cave. Laissez la place, s'il vous plaît, à ceux qui ne sont jamais allés. Nous visiterons la cave. Et puis nous remonterons, et rendez-vous pour tout le monde, à l'église, dans l'église. Il y a des bus à disposition, les plus jeunes continuent à marcher, ceux qui font semblant d'être jeunes font la même chose, et nous nous retrouvons tous à l'église. Et là, je me permettrai de remercier tout le monde individuellement. J'ai déjà été un peu dédoublé à l'église, mais ça n'est pas grave. Voilà. Moment de recueillement. Amis, attends-tour au bon roi de Kobo sous la plaine. Amis, attends-tour le cuisseau du pays qu'on chaîne. Oh, et partisans, ouvriers, aux paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et de l'âme. Ici, chacun sait ce qu'il vaut, quand il croit, quand il passe. Ami, si ton bon ami sort de l'ombre et te place. Demain de son noir séchera au grand soleil sur nos routes. Chantez, compagnons, dans la nuit de la liberté, nous écoutons. Amis, attendons le beau roi de Kobo sous nos plaines. Amis, tantôt le cuisseau du pays qu'on chaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi, quand de pied, de sang et de l'âme. Et de l'âme.
prochain. Bourgeois André. Dacodonien. De Garde Jean. Duchesne Joseph. Duchesne Octave. Gers Fernand. Gers Georges. Gouverneur André. Guissard Florent. Guissard Victor. Mort pour la patrie. Hardy Roger. Mort pour la patrie. Anquinet Joseph. Mort pour la patrie. Lambert Gaston. Mort pour la patrie. Lambert Hermand. Mort pour la patrie. Lambert Lucien. Mort pour la patrie. Lassance André. Mort pour la patrie. Lassance Fernand. Mort pour la patrie. Le roi Alphonse. Mort pour la patrie. Magonette Fernand. Mort pour la patrie. Maître Jean Edmond. Mort pour la patrie. Malempré Georges. Mort pour la patrie. Malempré Raymond. Mort pour la patrie. Marshal Albert. Mort pour la patrie. Marie Georges. Mort pour la patrie. Matagne René. Mort pour la patrie. Michel Lambert. Mort pour la patrie. Muller Clément. Mort pour la patrie. Noël Jules. Mort pour la patrie. Parmentier Joseph. Mort pour la patrie. Pétron Louis. Mort pour la patrie. Consin Joseph. Mort pour la patrie. Smith Poul. Mort pour la patrie. Tourné Xavier. Mort pour la patrie. Volvert Albert. Mort pour la patrie. God save the Queen. Awesome. Thank you.
Mesdames, Messieurs, dans le cadre du 75e anniversaire de la bataille des Ardennes, nous voulons nous aussi, par notre présence ici, entretenir le devoir de mémoire. Sur les lieux mêmes du massacre perpétré les 24 et 25 décembre 1944, théâtre d'une tragédie dont le souvenir ne s'efface pas, tant à cause du nombre de victimes que des circonstances atroces et brutales. À tout jamais, l'histoire de Bande et des villages avoisinants a été affectée par le crime inhumain de ces 34 jeunes, de ces 34 fils d'Ardennes, victimes innocentes. Victimes d'une idéologie de haine et de représailles, ils ont été dépouillés de tout, humiliés, brisés, exécutés, abattus d'une balle dans la nuque, victimes d'une cruauté abjecte de l'occupant. Et que dire de la vie de leur famille, tourmentée et rongée par le souvenir des atrocités commises dans toute leur cruelle réalité. La plupart d'entre nous ici présents connaissons les circonstances du massacre. L'émoi que suscita à travers notre village de Bande et parmi les forces d'intervention la découverte des 34 corps est encore ressentie de nos jours. Notre présence à cette cérémonie en témoigne, et plus particulièrement la présence des membres des familles que je remercie, de même que les porte-drapeaux et vous tous ici présents. Merci aussi au comité de mémoire de Bande et de tous ces bénévoles pour leur investissement, car comme il est dit, c'est dans l'histoire de notre passé que nous écrivons les pages de notre futur. À l'heure où la génération de ceux qui ont vécu ces atrocités s'éclaircit de plus en plus, nous devons garder ces événements en mémoire et surtout se souvenir des circonstances pour prendre nos propres responsabilités. Rappelons-nous que c'est par des mesures de représailles et de vengeance que les troupes spéciales de la Gestapo ont opéré. Tirons cette leçon du passé et prenons conscience que les mesures de représailles peuvent aller au-delà des limites admissibles. Marquons un temps de réflexion et posons-nous la question. Aujourd'hui, lorsque je me sens agressé, suis-je capable de faire preuve de tolérance? Nous ne pouvons pas laisser la haine et la violence nous envahir et se développer autour de nous, car nous ne savons pas jusqu'où cela peut nous mener. Il faut dépasser sa rancœur. Le respect de l'autre passe par là, c'est ce qui fait la grandeur de l'homme et la noblesse de cœur. Le respect de la vie doit rester un droit fondamental de notre société. En cette journée d'anniversaire, c'est cette réflexion que je livre à votre méditation en cette minute de silence. Je vous remercie de votre attention. Je vais inviter Monseigneur à dire une prière. La Vierge Marie, qui nous a été donnée pour mère, a pour nous les yeux d'une maman. Comme une maman, elle ne rit pas des maladresses de ses enfants. Comme une maman, elle sent nos joies et nos peines. Avec elle, je n'ai pas besoin de paraître ou de faire de belles phrases. Près d'elle, je peux rire ou pleurer. Nous confions, si vous le voulez bien, ensemble à la Vierge Marie, les 34 jeunes hommes qui sont, qui étaient, qui sont et qui demeurent ses enfants. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et que la bénédiction de Dieu, dont l'amour est tout-puissant, descende sur les 34 victimes du massacre, sur leurs familles, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.